Bonjour à tous et à toutes, c'est Génotype. Donc aujourd'hui on est là pour un petit tutoriel sur les avions. Donc voilà, donc j'ai activé mes touches pour les avions, j'ai assigné la touche Z, Q, S, D pour les déplacements. Donc Z pour avancer, S pour pas reculer mais pour stopper, Q pour aller vers la gauche et D pour aller vers la droite. Donc là on va commencer à décoller, donc on utilise Z. Donc là c'est pour rouler et pour enclencher légèrement les gaz. Donc maintenant je vais activer la post-combustion qui est la touche MAJ pour moi, donc la touche courir aussi pour ceux qui n'ont pas signé. Donc on va d'abord vous apprendre à faire des virages quand vous êtes poursuivi par un avion. Donc quand vous êtes poursuivi par un avion, ce qui est conseillé de faire, c'est de faire un virage, on ralentit complètement et on tourne. Donc ça sert à faire un plus petit virage et plus rapidement. Donc maintenant vous avez un missile qui vous poursuit, vous pouvez enclencher les leurres avec la touche X. Voilà. Alors maintenant on va vous apprendre à atterrir. Donc on va aller dans la base ennemie pour montrer, c'est plus facile. Donc vous approchez du sol et vous faites la touche désaccélérer, stopper en quelque sorte. Donc ça va sortir les trains d'atterrissage. Voilà. Donc là, je viens d'atterrir, donc j'ai redécollé. Donc je mets la post-combustion. Voilà. Donc je lague un peu, donc j'espère que ça n'a pas posé problème sur ma vidéo. Donc maintenant, on va vous apprendre les atterrissages d'urgence. Donc si vous voulez atterrir n'importe où, en essayant de subir le moins de dégâts ou pas du tout de dégâts, ce que vous pouvez faire, c'est atterrir sur les arbres. Foncer dans un tronc d'arbre, ça va directement le stopper sans casser l'avion. Voilà. Voilà, donc ça marche avec des lags, sans lags. Ça fonctionne parfaitement. Donc je pense que c'était tout. Oui. Ah oui, encore. La touche tirée et la touche changer d'arme avec 1 et 2 numériques. Donc votre optimisation pour le deuxième. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez bien aimé ce tutoriel, que vous avez trouvé utile. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à vous abonner ou à aimer. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.